Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Crédible et apaisé. Martin Fayoulou, leader de l'ECID, débat autour de la révision de la Constitution. Le président de la République devrait consulter toutes les couches de la population, y compris les opposants, avant la mise en place de la commission qui doit se pencher sur cette question. C'est la proposition du député national Aldous Chitoko, élu de Dibaya dans la province du Kasaï central, qui au départ était opposé à cette démarche, mais dit n'avoir pas vu d'inconvénient après avoir suivi le chef de l'État qui s'est exprimé sur cette question à qui s'en gagnait dans la province de la Tchopo. On l'écoute au micro. L'idée que moi je donne au président de la République est celle-ci. Pour que toute la population adhère à la vision qu'il a pour changer la Constitution, certains articles réellement qui doivent être changés, par exemple mode de scrutin pour les gouverneurs des provinces, tout ce qu'il y a, il doit consulter toutes les couches sociales de la RDC. Commençant par la société civile, Senko, les confessions religieuses. Quand il les consulte, il leur dit, je vais mettre en place une commission, envoyez-moi un représentant pour qu'ils viennent faire les garde-fous sur les articles qui ne veulent pas qu'on touche. En ce moment-là, ça ne va pas fâcher. C'est qu'il commence, avant de mettre en place la commission, qu'il commence comme il avait fait pour mise en place des lignes sacrées, consulter toutes les bases et appeler à désigner les représentants dans la commission que le chef de l'État va désigner. Et vous verrez que les choses iront bien. Dans les camps de l'opposition, on n'aime pas écouter ce débat. Qu'est-ce que vous dites? Il faut que le président consulte l'opposition pour que les opposants envoient leurs délégués dans la commission. Parce qu'ils pensent que les choses se feront sans eux. Or, la constitution, c'est notre héritage à tous. C'est notre domaine. C'est notre loi fondamentale. L'opposition républicaine et non républicaine, tous doivent envoyer les représentants dans la commission. Mais pour qu'ils envoient, que le président les consulte en amont. Parce qu'ils vont comprendre. Quand on va les dire non, vous venez faire les garde-fous de ce que vous dites là. Et pour Junior Koudoura, membre de l'Union sacrée, il y a plusieurs articles de la loi fondamentale à revoir pour rendre plus efficace.